Oui. Coucou les amis, je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour un retour de course Drive Intermarché en compagnie de Nathan qui est en train de se manger des pancakes que j'ai fait ce matin et de filmer pour changer équipe pions. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne, donc c'est parti. Donc comme d'habitude, à chaque fois, je vous mettrai les bulles quand il y a des promotions. Donc en ce moment, alors je ne sais même plus si je dois le dire ou pas parce qu'il y a tellement de gens qui sont frustrés de ne pas avoir accès aux promos. Enfin bon, je le dis quand même. En ce moment, il y a une promo à Intermarché. Ça concerne que 4 articles hein, sur tout le catalogue. Les articles sont 100% remboursés. C'est la même chose que la semaine dernière. Voilà, donc j'ai essayé de prendre ce qui m'intéressait. Et moi, j'ai eu les articles. Par contre, j'ai eu des manquants. Alors, c'est dommage parce que j'en ai besoin. J'avais pris un pack de lait demi-écrémé manquant. Et puis, il y avait une promo sur les mincales. J'en avais pris, mais j'en ai pas eu. Donc, c'est pas grave. J'ai eu les 100% remboursés. Donc, c'est génial. Alors, Nathan m'a sorti une partie parce qu'il a voulu m'aider. Il y en a partout. Voilà, donc on y va. Donc j'ai pris des œufs. Comme souvent, j'ai des manques au niveau des œufs. Je me suis enflammée, j'en ai pris trois. Et j'ai eu les trois. Donc bah, il y a des œufs de plein air, des œufs bio, des œufs. Voilà. Y en a un où il y avait une promo. Je ne sais plus lequel, je vous mettrai la bulle. Alors attends, mon chat. Donc, je vais donner à Nathan un deuxième. Voilà. Alors, j'ai pris des boîtes comme ça de tomates pelées au jus. Ça, c'est juste pour compléter nos stocks. Voilà, donc on y va. Je vais essayer de respecter à peu près un ordre. J'ai pris deux barquettes comme ça de jambon. J'ai pris pour les enfants. Alors, il y en a trois, des petits Suisses. J'en prends par trois parce que. Oui, c'est un yaourt. Alors, il a une passion pour les yaourts, donc voilà. Trois, bah, ça va vite, hein. Tristan a 7 ans, il n'en mange pas qu'un, il en mange deux, donc ça va. Les yaourts, plus ils grandissent, plus il faut que j'achète des yaourts, des yaourts, des yaourts. Je vous raconte pas. Ça, c'est pour Bibi, fromage blanc, 0% de matière grasse. Je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont super bons. Voilà. Oh, punaise. Alors, j'ai pris deux poireaux parce que je vais faire un pot-au-feu. Parce qu'il fait encore froid et que j'adore le pot-au-feu. Alors, je vais le mettre dans le sac, comme ça, je ne vais pas avoir besoin de sortir les trucs. Donc, j'ai pris... Voilà, parce que s'il le voit, il va péter un plomb. Donc, des yaourts nature et puis des... yaourts, yaourts, des mixés. Voilà. T'as les pancakes, mon cœur. On continue. Alors, je vous le montre et je le plante, parce que s'il le voit... Voilà, vous avez vu. Alors... Alors ça c'est le jarret pour faire mon pot-au-feu. J'ai pris des feuilles de briques parce que je vais faire des briques avec du steak haché je pense et puis des pommes de terre. J'ai pris un filet comme ça d'orange. Ouais mon dédé. Alors ça c'est quoi? Ça c'est encore de la viande. Alors j'ai pris un rôti de porc. Mais tu en as mon cœur sur ta tablette, regarde, tu vois? C'est bon, ben oui. Alors, j'ai pris du fromage. Il y avait une promo. Il y avait une promo, donc j'en ai pris deux. Le fromage, ça se congèle très bien, donc nous, on en a au congèle. Et puis, un petit fleur d'ange comme ça, imitation caprice des dieux. Il va falloir qu'on aille refaire un tour dans notre fromagerie, là. Où il y a des super bons plans. Donc, j'ai pris une salade comme ça, iceberg. Pour une fois, elle est en sachet. J'ai pris, on a combien? 1,5 kg de carottes, ça sera pour mon pot-au-feu. Je voulais du parmesan, il n'y en avait plus, donc j'ai pris ça. Ça ressemble un peu au parmesan, je ne sais pas si c'est du grain padano, enfin bon bref, une sorte, on va dire que ça s'apparente au parmesan. Oui, ça il y avait une promo, bon, imitation Saint-Morel. Des Dio, parce que je vais faire... j'aime bien faire... J'aime bien mettre ça avec les saucisses lentilles. Tiens, je te donne ça. Tu veux? Les Dio, ça s'appelle. Dio. Dio. On continue. Alors, surgelé maintenant. Vous avez, c'est bon. Alors, j'en ai pris deux de poisson pané. Il y avait une promotion. Je crois qu'il y avait... Il me semble qu'il y avait 20% d'avantage carte. Alors, ça, ça va aller vite fait. Vous l'avez vu, hop, c'est parti. J'ai pris un filet de 3 avocats. Alors, en
fait, ça, c'est un oignon blanc. Vous savez pourquoi? Bah, j'ai jamais goûté de ma vie des oignons blancs. En fait, moi, j'achète souvent les oignons jaunes en surgelé, en gros pack d'un kilo. J'aime beaucoup les oignons rouges dans les salades, etc. Et je sais plus pourquoi, j'ai regardé une recette et il fallait de l'oignon blanc. Et j'ai tilté que j'avais jamais mangé de ma vie d'oignon blanc. Alors, apparemment, c'est très doux comme goût. Donc, petit découvert de la semaine de l'oignon blanc. Écoutez, on fait comme on peut. Alors là, je vous en montre qu'un, il y en a deux. Un filet de pommes de terre. Alors, il y a combien là-dedans? Tac, tac, tac. 1 kg. Donc, 2 kg de pommes de terre. Voilà. Ensuite, on va y arriver. Donc là, c'est pareil. Il y en a deux. Je vous en montre qu'un. Des petites briques comme ça de jus de pomme. Il y avait 20%, il me semble, un avantage carte. Bon, alors, moi, j'en achète très rarement, hein, du jus de fruits. De toute façon, si vous voyez mes retours de course, bah, vous devez en voir, vous ne devez jamais en voir quasiment. Mais je me suis dit que c'était l'occasion quand on reçoit, qu'il y a des enfants, ils aiment bien les petites briques comme ça. Et puis quand on se fait des apéros, des trucs, bon, je donne aux enfants de l'eau. Oui, je me suis dit que ça serait sympa quand même de temps en temps qu'ils aient un petit jus de pomme. Hein. C'est quand même des enfants. Alors, là on va passer à la promo. Donc si les souvenirs sont bons. Oui. Un ersatz de parmesan. Là, il y avait 80% en avantage carte. J'en ai pris deux. Des brosses à dents. Hein. Alors, moi, j'aime bien les souples. Hein, donc, ça tombe bien. Il reste à des souples. Si ça avait été que des médiums ou des durs, j'en aurais pas pris. Hein. Moi, j'aime pas du tout. Alors, là, on va passer au 90% en avantage carte. Alors, j'ai pris ça. C'était en promo de toute façon, c'était 1,50€ au lieu de 2€ et quelques. Alors moi, vous savez que je mets des serviettes lavables hein, et des culottes menstruelles. J'en suis ravie, mais voilà. Si je suis, alors c'est des petites. Hein. Si je suis à l'extérieur, c'est vrai que les serviettes lavables, bon, je peux les. Il y a un système de comment dire de boutons pression. Vous pouvez les mettre dans une petite pochette étanche, etc. Mais bon, pff, voilà, hein, flemme des fois de mettre ça. Faut pas partir très longtemps quoi. Donc ça me sert, j'en mets toujours quelques-uns dans mon sac en secours. Bah déjà si mes règles débarquent et que je m'y attends pas, bah, au moins j'ai quelque chose pour absorber hein, la fuite. Et puis c'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir des serviettes hygiéniques jetables. Autant vous dire que le pack de 28 il va me durer une éternité hein, parce que moi vu que je suis là, c'est quand même rare que je sois dans ce genre de situation. Mais j'aime bien en avoir quand même pour le côté sécuritaire dans mon sac. Alors maintenant, on va passer au 100% remboursé. Donc, il y a trois... Non, il y a... Alors ça, c'était du 100% remboursé. Ensuite, j'ai pris le truc que j'achète jamais. Petit indice. ça a plu à Nathan. Ouais, je vais t'en donner un. Alors, je montre juste aux gens qu'il y en a trois et je t'en donne un. Tiens, c'est bien. Alors, ben, ce sont des billes hein, du parfum de linge en perle. Alors, j'en avais acheté une fois. Alors, c'est sûr que ça sent super bon, mais ça coûte cher. Je trouve que c'est vraiment abusé. Donc là, je me suis fait un plaisir parce que c'est 100%. Ah, tu en veux encore un pancake? Bon, attends, je vais chercher un pancake. Oh, le glouton, celui-là. Glouton. Qu'est-ce qu'on dit? T'as rien. Voilà. Donc, je me suis fait un petit plaisir. Et puis, je vois beaucoup sur Internet des gens qui mettent ces billes dans leur aspirateur. Alors moi, j'ai des aspirateurs robots. Je ne sais pas du tout si on peut y mettre dans un aspirateur robot. Je ferai un test. De toute façon, ça ne va pas péter mon aspirateur. Et voilà. Alors, ça va bien sentir. J'ai pas envie que la vidéo... Voilà. Hop. Je fais ça. Les billes. Comment ça marche? Ah ouais, ça sent bon, punaise. Ah ouais, ça sent super bon. Oui. Je t'en ai donné mon cœur, je vais pas te donner quoi. Je te donne celui-là qui est fermé. Tiens, t'en as deux maracas. Voilà. Et alors, ce qui m'intéressait vraiment, vraiment dans les 100% remboursés, et je suis... Non, on va pas l'ouvrir mon cœur. Je t'ai donné un pancake, t'as du parmesan et t'as des billes et t'as des duos. Donc, tu peux t'amuser. Tu fais le marché ou la cuisine. Tu fais les courses comme maman. Alors, j'en sors pour toi. Alors ça, c'était vraiment... je craignais que ça soit en manquant. Et je les ai eus, je suis trop contente. Des pastilles de la vaisselle pour agrémenter mon stock. Alors,
comme d'habitude, moi, je prends toujours de 3 sortes différentes. Comme ça, s'il y a un manquant sur un type de pastille, j'espère avoir l'autre. Mais là, les 3 étaient dispo. Donc, alors bon, je vous montre un Platinum Plus. Alors, ça, c'est quoi? Tout en un. Des graisses, machin, là, 100% graisse. Et voilà, celui-là, tout en un, d'un autre type. Alors, je pense que vous avez compris, je suis hyper contente. Donc ça, c'était du 100% remboursé. Comme d'habitude, il faut avancer l'argent, hein, vous connaissez la chanson. Autant vous dire que là, on n'est à même pas un mois de l'arrêt de ces promos-là. Donc, tant que je gagne, entre guillemets, je joue, je suis super contente. Enfin, cette marque-là, apparemment, elle marche super bien. C'est la première fois que j'en achète. Je te l'ai mis, le pancake. J'ai jamais essayé, donc bah, je vous dirai si ça fonctionne. Oui, mon cœur, fais le maracas. Elle est là, maman. Voilà, donc, bah, écoutez, j'ai eu... Tiens, voilà, elle est là. Voilà. Je vous dirai si ça fonctionne. Je suis... ravie, vraiment je suis consciente de ma chance. Alors je sais qu'il y en a énormément qui râlent sur Intermarché et je suis la première, enfin j'étais, parce qu'en ce moment j'ai les promos, j'étais la première à pester, donc ceux qui n'ont pas accès aux promos, je vous comprends, mais bon, je partage quand même parce qu'il y a quand même des gens en France qui comme moi ont accès aux promos et c'est vraiment dommage de passer à côté. Alors cette attendez, je vais me donner le prix quand même. Alors cette commande là m'a coûté 162,21 €. J'ai déduit de ma cagnotabilité 26,76 €, parce que vous savez que la semaine dernière, j'avais fait l'opération 100% remboursée. J'avais noté combien m'avaient coûté les produits concernés la semaine dernière et je m'étais dit que je déduirais, oui mon chat, que je déduirais ça de ma commande de cette semaine. Donc c'est chose faite. Et puis j'ai eu 23,50 € de bons de remise et de réduction immédiate, notamment sur ben, les nanas, sur les ferries, voilà. Il y avait à la fois de la réduction immédiate et du 100% remboursé. Donc, même combat que la semaine dernière, je vais recevoir sous forme de bon d'achat par mail un bon de 30 €. Je crois que je le recevrai le 14 février. Demain, je vais recevoir le bon d'achat de mes courses de la semaine dernière et ça sera utilisé au mois de mars. Il y a des dates bien précises. Donc, bah, si vous pouvez, n'hésitez pas à foncer, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Sur ma carte fidélité, je dois avoir un peu plus de 100 €. Donc pareil, hein, les ferries, les nanas, tout ce que j'ai acheté en promo aujourd'hui, les brosses à dents, etc. Je vais faire le calcul, le montant total, et je déduirai de mes courses de la semaine prochaine, de ma carte fidélité, le montant des promotions. Je fonctionne comme ça en fait. J'achète de la promo qui me sert à racheter de la promo. J'espère que mon explication est claire, parce que c'est pas forcément... c'est pas forcément logique pour tout le monde. Enfin, on a tous un mode de fonctionnement différent et moi, c'est celui qui me convient le mieux. Voilà, bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller faire à manger parce qu'il est 11h36. En aparté, j'ai 2 enfants à la maison hein, aujourd'hui. J'ai donc Nathan, que vous entendez, mais j'ai également Clément qui, depuis hier, nous a fait une petite varicelle. Donc là, oui, il attend. Mais tu en as à côté du parmesan. Hier, c'était des petits boutons. Dans la nuit, il est constellé ce matin de boutons et dont des vésicules qui commencent à percer. Et il se gratte. Donc, si vous avez des... Alors, on est allé chez le médecin. Hein, parce évidemment, il a un anti-allergique. Il a du Saforel pour enfants, là, vous savez, pour se laver. Il a du spray pour éviter les grattages, etc. Mais il se gratte. Si vous avez des astuces pour éviter que vos enfants se grattent, je suis preneuse. Surtout que, bon... Je lui ai mis un maillot de corps, voilà, on lui a coupé les ongles, enfin, on a fait tout ce qu'on pouvait. Donc, sur le corps, ça va, mais il a des boutons dans les oreilles, sur le visage. Et là, je vais pas lui mettre une cagoule, hein, donc, si vous avez des astuces, je suis vraiment preneuse, parce que là, je suis un peu démunie par rapport au fait qu'il se... Bah, ça le démange, le pauvre, quoi. Donc, à tous les coups, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le petit pépère, là, que vous attendez, Nathan, là, qui est à côté, bah, il va forcément attraper la varicelle. Donc Clément, selon le docteur, ne doit pas aller à l'école au moins pendant 8 jours. On a traîné la maîtresse. Alors, elle nous a dit qu'il n'y avait plus d'éviction, en tout cas dans notre école, concernant la varicelle. Donc, que quand l'enfant se sent bien, on peut le remettre. Bon, en sachant qu'il a des cas à l'école, c'est à l'école qu'il a attrapé la varicelle, on avait reçu... Oui, on avait reçu un mail de l'école comme quoi il y avait des cas de varicelle, donc on n'a pas loupé. Et je pense que je suis bonne pour avoir... Oui, pour avoir... À tes souhaits. À tes souhaits pour avoir 2 petits malades à la maison. Voilà les news du jour. Bon, de toute façon, je vous ferai une vidéo blabla pour vous raconter tout ça. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Je vais vous laisser. Je vais aller faire à manger parce que là, les petits ogres, les petits ventres commencent à crier famine. Puis bon,
manger un pancake à 11h38, c'est peut-être pas la bonne idée, quoi. On fait comme on peut. Ouais. Allez, je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!